Nous commençons à peine à sortir de plusieurs jours d'une crise qui a complètement paralysé le pays. Barricades, mouvements, manifestations, répression, pillage aussi, malheureusement. Et là, depuis deux jours, les choses timidement semblent recommencer, même si ici et là, il y a encore des vestiges de barricades, surtout des troncs d'arbres, de gros arbres imposants qui avaient été placés en travers des différentes voies. Bon, le seul problème qui persiste et qui explique en partie pourquoi les rues sont pratiquement vides, c'est précisément la crise du carburant qui continue. Toujours pas d'essence dans les stations-service. Donc la crise du carburant persiste. Et aujourd'hui, nous allons essayer de faire une nouvelle évaluation ce qu'on appelle la subvention des carburants. Car c'est un petit peu ce qui est à l'origine et de tous ces désordres. Le gouvernement, dans un premier temps, a décidé de supprimer la subvention, puis il a annoncé une augmentation très substantielle du prix des carburants. Et tout cela est parti comme un seul homme. Donc on va essayer une nouvelle évaluation de la subvention avec un petit historique pour placer le tout en perspective. Bonsoir William Savary. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Voilà, bon. Donc on va... Quoi, on va commencer par l'origine. Bon, en fait, l'origine, pourquoi pas. Disons qu'au prime abord, avant de parler de la subvention, il faut comprendre que la subvention, c'était une réponse à une augmentation du prix du pétrole sur le marché international. C'est ça. Qui, en fait, de 2009 à 2011, on a vu le prix du pétrole passer de 60 dollars à 111 dollars. 60 à 111, pratiquement doublé. Oui, le prix a pratiquement doublé sur le marché international. Hein. Maintenant, la réaction de M. Préval à l'époque, donc nous avons une graphique qui vous le montre. Mm-hmm. Donc là, la première, vous avez la graphique, il y a un premier haut, avec, si vous allez de gauche à droite, et la seconde pic. Hein, et à partir de la seconde pic, ça a chuté considérablement. Mm-hmm. Et arrivé à ce bas-fond, c'était 2009. Mm-hmm. Donc à partir de ce bas-fond, le prix a commencé à grimper petit à petit, petit à petit. Et la troisième pic, c'est la montée de 2011, donc qui a inspiré M. Préval pour remédier à une situation plus ou moins insoutenable parce que les prix avaient augmenté et le peuple avait pris les rues. Donc, il se trouve que pour remédier à cette situation, il a opté d'appliquer la subvention. Mais c'était sur le conseil, finalement, des autorités monétaires mondiales. Absolument. Là, on va en venir. Oui. Parce que là, maintenant, pour il y a divers types de subventions. Là, c'est ce qu'on appellerait, si vous voulez, la subvention à l'équilibre. Donc, c'est une subvention qui permet de rétablir la paix, rééquilibrer les prix sur le marché, de sorte que l'offre et la demande, selon leur théorie, puissent avoir une certaine parité. Mais il y a d'autres subventions. Par exemple, il y a d'autres subventions à l'investissement, d'autres subventions pour les équipements, etc. Donc, le monde des subventions, c'est un monde assez à part qui exige des analyses plus ou moins sérieuses, qui, en général, ne sont pas faites en Haïti. Maintenant, M. Préval a opté pour la subvention, mais il faut dire qu'à l'époque, il y avait aussi une manne dans le pays. C'était la manne du Pétro-Caribé. Et également avec le président Préval. Alors, en deux mots, rappelons les grandes lignes de qu'est-ce que le Pétro-Caribé. Pétro-Caribé, c'est une initiative de Hugo Chavez, à l'époque président du Venezuela, qui a décidé de mettre la richesse, la grande richesse de son pays, qui sont ses réserves de pétrole, finalement à la disposition de tous les pays. Je me rappelle même avoir vu, à l'époque j'étais aux États-Unis, une vidéo d'un camion de
pétrole vénézuélien, mm-hmm. un camion-citerne, en train de livrer à une pompe à essence où? À Brooklyn. Bon, il faut dire que Hugo Chavez avait de très grandes ambitions politiques. Donc, c'était quelqu'un qui était animé par une doctrine plus ou moins socialisante. Donc, il faut dire tout ça. Carrément socialisante. Maintenant, oui. Il faut dire que lorsque M. Préval a adopté, sous la recommandation de l'international, de se servir d'une portion de les fonds de Petro-Caribe pour subventionner, mm-hmm. il faut dire que aujourd'hui, les mêmes personnes qui avaient recommandé à M. Préval de mettre en œuvre un programme de subvention, mm-hmm. ce sont ces mêmes personnes qui vous disent qu'il faut enlever la subvention. Mm-hmm. Hein? Maintenant, c'est particulièrement le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international est présent en Haïti, il est présent en Afrique. Et en Afrique, le Fonds monétaire international recommande exactement la même politique parce que plusieurs pays africains subventionnent le carburant chez eux. Mm-hmm. Maintenant, et pourquoi il exige que les subventions soient éliminées? Mmh. C'est vraiment pas une question d'affaires, c'est plutôt une question doctrinale. Il y a deux éléments fondamentaux qu'il faut vraiment retenir. Mmh. Il y a un élément doctrinal, parce que le Fonds monétaire international, les fonds monétaires internationaux sont vraiment, si vous voulez, dominés, la pensée dominante. Mmh. C'est plutôt le néolibéralisme où l'État n'est pas impliqué dans les affaires dans la réglementation du marché, dans l'imposition des hommes d'affaires. Donc, ils ont leur formule. Ouais. Mais beaucoup plus fondamentalement, il y a une question philosophique. Et la question philosophique dérive, c'est une dérive plutôt de philosophe anglais, Jeremy Bentham. Jeremy Bentham qui a conçu la notion de la « utilities mm-hmm. ». Et la société progresse plus il y a d'utilité produite. Mm-hmm. Hein? Donc, c'est-à-dire, plus il y a de biens, plus la quête du bonheur, mm-hmm. c'est la création des utilities. Mm-hmm. Mais la position… Utilities, on pourrait dire bien consommation. Non, mais c'est plutôt usage. Mm-hmm. Hein, plus il y a de biens produits pour l'usage, mm-hmm. plus il y a du bonheur. Mm-hmm. Hein, c'est vraiment la quête du bonheur. Mm-hmm. Maintenant, une chose importante qu'il faut souligner, le Fonds monétaire international vous dit qu'il faut éliminer la subvention, parce que les gens qui profitent de la subvention, mm-hmm. c'est l'élite. Mm-hmm. Hein? Donc c'est l'élite qui s'en sert des ordinateurs, de la réfrigération, des climatiseurs. Mm-hmm. Donc c'est en subventionnant, c'est l'élite que l'on subventionne. Pourquoi? Parce que lorsque l'électricité est à bon marché, mm-hmm. c'est l'élite qui en jouit vraiment, pas le peuple. William Savary, êtes-vous en train de me dire que la Banque mondiale a des tendances socialisantes? Non, j'arrive. Et à vouloir pénaliser les élites économiques? Oui, mais c'est dans leur discours. C'est dans leur discours. Mmh. Mais le revers de ceci, hein, c'est la question de. C'est pourquoi j'ai évoqué la notion de utilities de Bentham. Mmh. Où est-ce qu'on va trouver le plus d'usage, le plus de biens dans la société? Mmh. Est-ce que c'est en privant le peuple, mmh. hein, de la subvention, mmh. et en favorisant, parce que la bourgeoisie en jouisse, mmh. mais sans se rendre compte que la bourgeoisie qu'on veut démunir mmh. n'est peut-être que 2-3% d'une population, mmh. alors que les 97% du peuple qui jouit de la subvention produisent beaucoup plus de biens et beaucoup plus de richesses et beaucoup plus de oui. bien-être. Être cumulé. Donc, maintenant. Et ce que je dis souvent, les gars du Fonds monétaire international que j'ai rencontrés, je leur pose la question très simple. Qu'est-ce que vous pensez, dans les pays comme Haïti, il y a des dames, par exemple, qui doivent choisir entre prendre un tap-tap et aller et marcher 3 km pour aller au travail. Mmh. Entre un enfant qui, le matin, doit faire le choix de mettre un grain de sel sous la langue, mmh. et ne pas avoir de quoi manger et de les numéraires nécessaires pour manger et aller à l'école à pied. Mmh. Où est-ce que vous avez le plus de biens? Mmh. Et donc là, c'est là le crux de
le nœud de l'argumentaire d'un point de vue philosophique et d'un point de vue économique. Donc, ce n'est pas du socialisme, c'est plutôt leur façon doctrinale d'opérer. Mmh. Oui. Maintenant, qu'est-ce que le marché haïtien représente en matière d'énergie, hein? Mmh. Nous importons en Haïti à peu près 250 à 300 millions de produits pétroliers par année, hein? Toutes choses confondues. 250 à 300 millions de dollars américains. Bon, maintenant, ouais. Dans tous les pays du monde, 250 à 300 millions, c'est beaucoup d'argent. Mmh. Une entreprise qui a une taille de 200 à 350 millions de dollars, c'est une entreprise qui est cotée à la bourse. Oui. Hein, c'est une entreprise qui est gérée, parce que si vous avez une entreprise qui a une capitalisation de 300 millions de dollars, vous devez avoir le savoir-faire nécessaire pour que cette entreprise puisse être menée à bien. Donc, et c'est notre cas aujourd'hui. Comment mener à bien cette entreprise que nous avons, qui est la consommation du pétrole? Comment la mener à bien pour le bien-être général? C'est l'intérêt général, pas le bien-être général. Merci. Maintenant, le pétrole, la gazoline que nous importons, il y a à peu près, les carburants. Donc si on fait 300 millions le mois, ça vous donne à peu près 25 à 27 millions le mois, si on fait 300 millions l'année. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Maintenant, si vous dépensez 300 millions l'année pour vous procurer des produits pétroliers, il y a 4 instances sur le marché international où le produit pétrolier se négocie. Et vous devez choisir à quel niveau et à quelle instance vous adresser pour que vous puissiez avoir le meilleur prix. Mm-hmm. Hein? Oui. Donc, il y a la première instance où ce sont les grandes entreprises qui négocient les papiers. Mm-hmm. La deuxième instance où il y a la question des raffineries. Mm-hmm. Il y a la troisième instance et la quatrième instance qui vraiment ont affaire avec le détail, le business de détail, mm-hmm. hein, et le business en gros. Maintenant, si le pays... Qu'est-ce qu'on appelle le Brent? Brent crude. Mm-hmm. Brent crude, c'est la réflexion du prix du pétrole sur le marché américain. Américain? Non, sur le marché européen, excuse-moi. Sur le marché américain, c'est West Texas Intermediate. Okay? Donc, c'est vraiment la moyenne du prix. Mm-hmm. Par exemple, si on prend la Finlande, le Saudi Arabia, mm-hmm. et tous les pays du Moyen-Orient, etc., là aussi, ils vont donner le Brent. Mm-hmm. Hein, il y a un écart entre le prix du Brent et le prix de West Texas Intermediate. Et dans les Amériques, on se sert plutôt comme point de référence, le prix de référence, comme West Texas, c'est le West Texas Intermediate qui sert de prix de référence. Oui, comme grand voisin. Comme grand voisin, oui. Voilà. Donc maintenant, lorsque vous devez vous approvisionner, vous avez l'opportunité de vous approvisionner et de dépenser 30 millions de dollars à la moyenne avec laquelle vous devez vous approvisionner. Donc le point nécessaire, c'est d'essayer d'acheter le produit avec lequel vous devez approvisionner votre marché au meilleur prix possible. Bien sûr. Et en Haïti, nous avons divers défis. Le premier défi, c'est que je doute fort que les gars qui approvisionnent le marché aujourd'hui se servent de façon optimale du marché. C'est la première chose. C'est pourquoi je peux vous dire, par exemple, que sur le marché international, le prix de unleaded gasoline, OK, qui se négocie, le prix de unleaded gasoline, nous avons le prix du mois d'octobre, le prix du mois de novembre, le prix du mois de décembre. Donc, vous voyez, il y a un décalage déjà entre les divers contrats de mois. Donc, avec une planification saine, une planification réfléchie, on peut planifier la stabilité des prix du pétrole dans le pays. Parce que la question, c'est de déterminer quand acheter, à quel prix acheter et de qui acheter. Et ce n'est pas une réflexion qui se fait généralement dans le pays. Et pourquoi je le dis?
La dernière fois que, en fait, il y a un mois, j'ai vérifié les origines du pétrole qui sont du pétrole qui est parvenu en Haïti. Mm-hmm. Il y avait 200 millions à peu près, 225 à 250 millions qui avaient été de fonds qui avaient été dépensés aux États-Unis pour l'approvisionnement. Mm-hmm. Les gars, ils sont allés au Nicaragua acheter pour 5 millions. Il y avait 2 millions et demi à 3 millions qui avaient été achetés de la République dominicaine. Donc, déjà avec ça, ce sont des indices que les gars qui sont dans le business de l'approvisionnement, ce sont des gars qui font des coups. Il n'y a pas une réflexion vraiment approfondie. Alors, OK, d'accord. Mais ceci est la responsabilité de qui? Parce que vous dites les gars, c'est quoi? C'est le BMPAD? Bon. Serge, je n'aime jamais pointer du doigt les gars qui sont responsables. Non, je ne parle pas de responsabilité. Est en charge, qui... si vous voulez. Bon, normalement, selon la loi organique de la BMPAD, oui. C'est la loi BMPAD qui devait avoir cette responsabilité. Voilà. Hein? Oui. Donc c'est tout. Ouais, oui. c'est ça. On ne va pas plus loin, on ne pointe pas du doigt. Non, on est bien d'accord. Maintenant, le fait, en plus pourquoi? Du fait... Laisse-moi finir ce point. Mm-hmm. En plus du fait de mal acheter, c'est ce que j'aurais dit, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits d'intérêts dans le marché du pétrole en Haïti. Parce que le gars qui importe le pétrole ne peut pas également être propriétaire, le carburant ne peut pas aussi être propriétaire de stations de gasoline. C'est un conflit d'intérêts immense. Et il y a aussi trop d'intermédiaires, parce qu'à chaque intermédiaire... Chaque intermédiaire additionne il prend sa part. Et lorsque l'essence arrive à la pompe, le prix est exorbitant. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que le contrat du mois d'octobre, par exemple, ça se négocie à 2,65 $, 2,50 $. Mm-hmm. Et ça va sans doute chuter aujourd'hui parce que le prix du unleaded gasoline sur le marché international aujourd'hui a chuté en vertu du fait qu'il y a eu une augmentation dans les inventaires du prix du gasoline sur le marché international. Oui, ça c'est ce prix de 2,50 $, 2,60 $, on en a beaucoup parlé à l'époque où on disait que beaucoup de gens faisaient des affaires, prenaient, volaient de l'essence ici en Haïti et traversaient la frontière pour vendre en République dominicaine où c'est à 5 ou 5,50 $. Bon, je ne dirai pas ceci, moi. Je vais vous dire pourquoi. Il y a le prix international qui est négocié, hein? Mais il y a des discounts qui sont aussi alloués aux gens qui payent cash. Mm-hmm. Il y a des termes de crédit qui sont alloués et qui déterminent vraiment quel est le niveau de prix que les gens vont payer. Mm-hmm. Et il y a aussi, est-ce que les gens vont acheter des jobbers? Des jobbers, ce sont des gars qui se démerdent pour trouver le prix à meilleur, dans les meilleures conditions. Mm-hmm. Je voulais vous dire qu'il y a 400 points de vente de produits pétroliers aux États-Unis. Et chaque 400 points de vente. Et chaque point, alors, de vente en gros, alors? Oui. Et chaque point de vente a un prix. Donc, c'est la concurrence. Donc, le gars, généralement en Haïti, j'ai l'impression que les gars achètent des jobbers. Hein? Et acheter des jobbers, ça vous donne parfois un rabais. Pourquoi? Parce que ça dépend des conditions du marché américain. Parce que je vais vous dire un exemple où les prix augmentent. Si, par exemple, une raffinerie a des commandes de, disons, 50 millions de barils, et leur capacité ne leur permet que produire que 40. Mais c'est parmi les jobbers qu'elles vont acheter pour remplir le gaz. Pour avoir les 10 000 qui manquent. Donc, le prix du pétrole, il y a, en plus du fait qu'il y a l'offre et la demande sur le marché international, la spéculation. Il est très fluctuant. Et il y a aussi les conditions de raffinerie. S'il y a une panne de raffinerie, c'est le gars qui... Tout ceci affecte le prix. S'il y a par exemple, des hurricanes, comment on dit ça en français? Ouragans. Des ouragans, merci. Je suis anglophone et vraiment, vraiment, ça m'aide. Donc, des ouragans qui arrivent. Donc, tout ceci peuvent affecter le prix. Très bien. Bon, mais alors, oui, pourquoi j'ai parlé du BMPAD tout à l'heure? Parce que ça fait très longtemps qu'on entend le BMPAD dire, répéter et affirmer qu'il n'y a pas de pénurie d'essence en Haïti, dans le même temps où on constate qu'il n'y a pas une goutte d'essence qui est distribuée dans les stations-service. Donc, j'ai un problème. Il y a un des deux qui ne dit pas la vérité.
Oui, il y a quelque chose qui choque. Parce que, et ça peut continuer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment une politique énergétique dans le pays. Par exemple, en 2011, au lieu de jeter des subventions au marché, hein, ou d'alimenter le marché en subventions, c'était vraiment à l'époque qu'il fallait vraiment réfléchir à une politique stratégique, une politique énergétique pour le pays. Et l'occasion était là avec Petro-Caribé. Oui, mais aujourd'hui, nous avons... La subvention est revenue comme une question brûlante. Ça flambe. Mais il se trouve que ça arrive au même temps qu'en Europe, ils ont eux aussi besoin de subventions. Ah, oui. Donc c'est la question... Parce que les Russes sont en train de fermer les vannes. C'est pour dire que la question, normalement, qu'il faut poser, ce n'est pas vraiment de mettre en question la subvention. C'est vraiment quel est l'usage de la subvention. Oui. Y a-t-il un côté positif à la subvention? Oui, le côté positif à la subvention, je viens de le mentionner, c'est par exemple le citoyen lambda. Le citoyen lambda qui est la majorité de ce pays. Absolument. Et dans tous les pays. Et dans tous les pays du monde, le citoyen lambda a un coût de transport qui il n'a pas à choisir entre manger et prendre la camionnette. Voilà. Hein? C'est fondamental, ça. Ouais. Et si vous voulez, d'un point de vue philosophique, il y a beaucoup plus d'utilité produite en subventionnant citoyen lambda qu'en subventionnant et que de s'inquiéter du bourgeois qui va se servir du climatiseur. Ouais. Et c'est ce que fait le Fonds monétaire international. Et incidemment, je dois vous dire que la question... Il n'y a pas de filet social en Haïti. Et dans tous les pays du monde, dans presque tous les pays du monde, il y a un filet social. Le filet social, c'est une façon de venir en aide aux gens vulnérables. Aux plus défavorisés. Et ce filet social, ce sont les ONG aujourd'hui qui le remplissent. Hein? Mais en Haïti, oui, alors. Mais ce sont les ONG qui sont partout dans le pays. Il y a PAM, qui font la distribution de nourriture, etc., tout ce que vous voulez. Mais la notion que la subvention serve de blocus au développement économique du pays, serve de blocus à l'éducation, cette notion, elle est fausse. Hein? Parce que si vous pouvez ne pas avoir la subvention, mais le gars qui doit aller à l'école, s'il doit choisir entre prendre le tap-tap et aller à l'école, qu'est-ce que vous pensez qu'il doit faire? Hein? Donc, il faut repenser la question de la subvention et peut-être même réfléchir à réglementer le marché. Parce que réglementer le marché, ça veut dire quoi? Est-ce que ce n'est pas nécessaire? J'ai un ami à moi qui est un très bon téléspectateur avec lequel on a des discussions souvent. Il m'a posé la question hier, qu'il y a une réponse d'ailleurs. Arrivé en Haïti, lorsqu'on achète le carburant aux États-Unis à 2,10 $, 2,20 $, lorsqu'on additionne le transport c'est 3 centimes par gallon, je crois. Il y a le transport de camion, il y a le transport par bateau. Et il y a le stockage. Il y a le stockage, il y a l'assurance. Donc, tout ceci, on peut additionner facilement 50 centimes. Donc, vous avez un prix finalement de 2,65 $. Mais lorsque vous me vendez le 2,65 $, ça vous donne 325 $, à peu près 350. Donc lorsque vous voulez me vendre l'essence à 600 $, ça vous donne 600 gourdes. Donc sur un investissement de 350, vous réalisez près de 50%. Donc, il y a la part des propriétaires de stations-service. Oui, vous comprenez. Donc, c'est pourquoi aux États-Unis, par exemple, au Canada, en France, il y a l'énergie, c'est un bien stratégique. C'est comme la télécommunication. Absolument. Il y a un maximum aux États-Unis, par exemple, il y a un maximum que vous n'avez pas le droit de gagner sur votre investissement. Voilà. Le retour sur investissement est réglementé. D'accord. Lorsqu'il s'agit des public utilities. Une bonne chose. Écoutez, il y a quelqu'un qui avait proposé peut-être est-ce que l'État devait faire nationaliser la distribution des carburants dans le pays. Et alors, on aurait peut-être, en nationalisant, des points de distribution que le secteur privé pourrait être impliqué. Oui, et alors on pourrait avoir la concurrence dans le marché. Donc, il y a plein de portefeuilles d'idées éventuelles de pensées qui pourraient être mis sur le tapis, mais dans la mesure où il y a une volonté politique, il y a une volonté du point de vue de l'État pour régler ce problème d'énergie une fois pour toutes.
Bon, hélas, William, le temps est passé très vite. J'ai l'impression que le temps, là, c'est presque de l'essence qui est très, très volatile. Bon, peut-être que nous ferons une seconde séance des écoles de la finance sur ce point stratégique très important, en peut-être essayant d'aller voir quelles sont les solutions qui pourraient être appliquées pour sortir de ce marasme dans lequel on se trouve là maintenant. Surtout, et c'est récurrent, c'est chaque 3 ans, chaque 4 ans. Exactement. Et non seulement qu'il y a beaucoup d'injustices qui se font parce que les gens en profitent pour faire des crimes, mais il y a les pertes qui sont colossales. Hein? Donc, vraiment, le Fonds monétaire international vraiment doit repenser sa position. Et ne pas recommander l'élimination des subventions, mais plutôt réfléchir comment. Parce que si vous voulez éliminer les subventions, il faudrait également réfléchir comment baisser les prix sur le marché. Oui, mais on n'est pas obligé d'obéir au Fonds monétaire international. Je le souhaite. Ouais, bon, voilà. Hein? Ce sont des recommandations. Et lorsque les recommandations sont contre l'intérêt général, on ne peut pas les appliquer. Mais voilà. Exactement. C'est exactement ça. Mais pour ça, il faut avoir les idées claires, il faut avoir une politique de remplacement, il faut avoir la volonté politique d'appliquer ce système et ne pas se laisser mener par le bout du nez. Et du côté du Fonds monétaire international aussi, ils ne peuvent pas être collés dans leur doctrine. Il faut qu'il y ait au moins une certaine flexibilité dans leur réflexion. Très bien. Parfait. Bon, nous avons survolé cette question du carburant qui est un problème aujourd'hui mondial. On l'a vu. C'est une augmentation du coût des carburants qui avait déclenché en France ce qu'on avait appelé la crise des gilets jaunes, qui était une crise juste, et les gilets jaunes avaient raison, et puis ensuite ils ont été infiltrés par toutes sortes de voyous, et ça a donné les exactions qu'on a vues à la télévision sur les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe vandalisé, bon. Mais c'était ça, c'était une augmentation. Ici, en Haïti, la crise de février 2018, c'était suite à une augmentation massive du carburant. Aujourd'hui, en France, le gouvernement est obligé de subventionner, de bloquer le prix, donc indirectement, de subventionner. Absolument. Ouais. Maintenant, l'une des inquiétudes de l'Union européenne, en fait, de NATO, L'OTAN. L'OTAN, merci. L'une des inquiétudes de l'OTAN, c'est que les sanctions contre la Russie peuvent chuter, parce que lorsque le prix du carburant commence à grimper d'ici l'hiver, peut-être que les populations auront des réactions similaires aux Haïtiens. Bon, oui, c'est tout à fait possible. D'où les énergies de substitution. La France avait depuis longtemps fait le choix du tout nucléaire. Bon, malheureusement... Except pour 12% qu'ils prennent de la Russie. C'est eux qui prennent le moins. Donc c'est eux qui sont le moins menacés par les sanctions et les menaces de Poutine de couper l'approvisionnement. Bon, oui, tout ça est extrêmement complexe. Nous allons essayer de nous concentrer sur notre petit problème à nous en Haïti, en voyant qu'est-ce qu'on pourrait faire de façon à mettre fin à ce qui finalement est un scandale. Absolument, c'est ça. Merci William, à la prochaine fois et à vous, bonne continuation.